Non. Il te demande de dire. Ça ne court pas pour rien. Non. Oui, 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 oui. Écoutez la respiration. Beau. Je me retresse. Lâchez-vous. Voilà. On n'étrangle pas là, hein. Main de sécurité au cas où il me parte dans la figure, hein, ça m'empêche de me le prendre. Voilà. Très bien. Couche. Couchez. 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 Couche. Couche. Bon, je vais profiter d'une chose, hein. Quand je vois des éducateurs canins, il y en a plein, hein. Alors moi je mets des lunettes de soleil quand je suis en Corse. Les gens qui travaillent avec des lunettes de soleil, un chien, sauf s'ils ont un problème de vue, que je peux comprendre, je trouve ça complètement aberrant parce qu'on enlève 80% des possibilités de contact, de communication avec le regard. Les éducateurs canins qui le veulent pour eux. Honnêtement, je m'en fous. Il est à vous. Tu m'as donné quel âge déjà ce matin? Allez, au boulot. Chien muselé. On est d'accord?
Votre approche, remettez-le, voici. Votre approche va faire que le chien va déclencher ou pas. C'est-à-dire que si je pars en ignorant, même près, même si je passe à côté et que je touche en passant, ça ne bougera pas parce que le chien ne se sent pas, et c'est là où il y a une variation de cette fameuse zone de confort. Hein, la zone de confort, ce n'est pas quelque chose qui est établi définitivement. Lui, il n'est pas en zone d'inconfort là, quand je passe de cette façon-là. Il y a des gens qui ne vont pas exploiter ça parce qu'ils ont estimé que la zone de confort, elle était à 7 mètres ou 10 mètres. Moi, je peux exploiter ça sans aucun problème. Je peux me mettre à côté du chien. J'entends sa respiration qui est toujours normale. Il n'est pas aux aguets, il n'est pas en zone d'inconfort. Il sait qu'il y a un mec à côté de lui, mais il ne se met pas en... Émotionnellement, il n'est pas au taquet. Hein. Par contre, sa zone de confort, effectivement, va être différente au niveau de la superficie quand je vais commencer à approcher de face. Parce que là, le chien va avoir une autre façon de percevoir l'approche. Donc moi, je vous conseille dans un premier temps, je n'ai pas vu, au pire, il vous met un coup de muselière, ça ne va pas vous tuer, souriez. Si vous souriez, ça va mieux, vous allez voir. Vous passez, vous ignorez, vous faites comme si elle n'était pas là, la dame. Alors moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez simplement ça. À un moment donné, vous venez vous mettre à côté. Je ne vous demande pas de le caresser. Ou peut-être que je vous demanderai de le caresser. On verra. C'est à vous. Là, c'est un céphalogramme plat dans la tête. Détendez votre tête. Vous êtes en train de serrer votre lèvre. Je le vois. Donc, vous êtes en train de dire au chien, il y a un problème. Détendez, il est tranquille. Observez-le. Mettez-vous à côté. Voilà. Bien, bien à côté. Il vous sent caressé. Franchement. Donc, dans cette approche-là, on est bien d'accord que la zone de confort, elle n'est pas là où elle est quand on aborde différemment. Donc, les gens qui travaillent hors zone de confort pendant des semaines, des mois, alors qu'on peut approcher ce chien, et là je vais prendre quelqu'un d'autre, vous, il paraît que vous pouvez vous retirer, vous refaites le même exercice. Ça, c'est la faute à Rose, hein. Pas la mienne. Hein. Ah, c'est la faute à elle. Elles ont osé me donner 8 ans de plus. Vous voyez que la demoiselle, elle l'a fait, mais dans un autre ordre. Hein. La première est passée comme ça, ou vous êtes passé comme ça, caressé. Et vous voyez que le chien, là, il peut s'habituer à du monde. Vous allez vous mettre à côté de la dame. On va mettre un monsieur pour changer. Pareil, vous faites le tour des deux dames, vous mettez à côté du chien, vous caressez. Le chien, hein, pas les dames. Bon, après, il fait ce qu'il veut, hein, le monsieur, hein, s'il veut en profiter. Vous voyez que le chien, il est toujours. Voilà, je regarde, mais je ne suis pas inquiet de cette situation-là. Ça veut dire qu'on peut très bien habituer le chien à, soi-disant, cette fameuse désensibilisation. Mais cette désensibilisation, je suis bien dans la zone de confort estimée par beaucoup. Hein. Bon, vous pouvez vous reculer un tout petit peu de côté pour laisser passer une quatrième personne. Non, c'est vous que je cherchais. Spécialement vous. Même chose. Là, vous passez entre le chien et le monsieur. Là, faites le tour de tout le monde. Et revenez vous mettre à côté du chien et vous caressez. Le chien, hein. Ah. Et oui, ça se passe bien. Même code. Bonjour. Bonjour. Voilà, le bonjour doit être un signal pour le chien, tu touches pas. Donc je vais venir associer. On entend ces petits coups de main là. Hein, donc le chien, là, il est. Il est limite. C'est pas qu'il est limite, il cherche à savoir ce qu'il doit faire. Est-ce que je bouge comme d'habitude ou est-ce que je bouge pas? Ça vous fera plaisir. À moi, oui. Bonjour, toujours, votre code bonjour. Bonjour. Et là, on va rajouter une chose. Non, partez pas, arrêtez de passer. Je vous demandez si vous pouvez caresser le chien. Caresser le chien? Il y a
Bien sûr. Et vous caressez. Voilà, suivant, vous prenez la... Elle est là-bas, elle se cache. Ah ouais, elle s'est cachée derrière ses lignes, là-bas. Et là, on va y venir y rajouter quelqu'un de grand. Bonjour. Et donc, il y a un comportement qui est forcément différent. Pas un comportement physique, un comportement au niveau de la démarche. Allez-y. Votre code. Bonjour. Bonjour. Non. Assis. Ouais, que j'anticipe absolument tout, j'aime le dire. Hein. Là, j'ai un homme qui est grand, qui a une démarche qui n'est pas celle d'une femme. Le monsieur, il est beaucoup plus mince. Assis. Donc là, il y a une démarche qui est différente. Assis. Ah oui, là, il faut exiger, madame. Hein. Assis. C'est là où c'est vous qui donnez les consignes. Hein. Pas bouger. Revenez à moi, monsieur. Détendez votre laisse, madame. Si vous restez tendu, vous dites en permanence au chien, il y a un danger. Vous y retournez. Exagérez votre bonjour. 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 Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien, je vous remercie. Vous voyez la modification, le chien a eu son petit grognement, mais il n'est pas parti dessus. Je peux caresser le chien? Pas encore, parce que là, on va passer par une petite étape pour que le chien comprenne quel type d'individu vous êtes. Vous vous mettez à côté de lui. Et vous caressez. Et vous revenez là. Vous avez vu la patte du chien? Ok, on fait copain. Retournez au chien de face. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Je peux caresser? Je peux caresser le bien chien? Bien sûr. Vous caressez. Ça, vous devez savoir ce que va faire le chien avant de le faire faire. Bonjour. On va essayer. Enchanté. Je peux caresser? Caresser. Bien sûr. Non, de face, j'aurais préféré de face. De face? Ouais. Oui, parce que c'est là qu'il déclenche. Tous les gens ne se présenteront pas en disant, tiens, on va se mettre de côté, hein, parce que c'est mieux. Hein. Retournez-y, restez là-bas, retournez-y, de face. Mettez-vous un peu sur le côté, je rappelle. Voilà, bonjour, et je caresse en direct. Caressez, coupez ça. Vous voyez, là, j'ai enlevé le... Est-ce que je peux caresser? Je vais vite, hein. Ça, il faut le travailler sur une plus grande longueur. Hein. J'ai déjà enlevé, est-ce qu'on peut le caresser? Je caresse. Parce que vous aurez plein de gens qui vont venir, hein, qui vont voir le chien, qui est tranquille, et qui vont y aller. Vous êtes canard? Bonjour. Voilà, vous voyez, c'est une autre attitude. Hein, c'est clair, c'est net, ça vient vite. Voilà, il faut vraiment habituer le chien à toutes ces attitudes. Le chien va sélectionner des attitudes sur lesquelles il n'est pas à l'aise. C'est à vous aussi à lui dire, Coco, c'est pas parce que lui marche comme moi, un peu comme un ours, que tu dois le bouffer. Non, il marche comme ça, c'est tout. Bonjour, de face. Et on caresse. Non, c'est bien, et on lui parle, le chien, c'est un bon pépère. Et suivant. Bonjour. Et on caresse. Je rêve pas. Il y a une livraison, là, je rêve pas. Bonjour. Il est parti. Encore un ou deux. Assis. Non, ça doit être... Assis. Je suis pas sûr. Le qui assis. Parle pas. Bonjour. Caressez. C'est bon, vous décrochez votre chien. Vous n'avez pas la muselière. Vous décrochez, vous partez tous au fond du terrain. Ensemble. Vous ignorez votre chien. Restez bien au milieu des gens, madame. Voilà, à un moment donné, vous vous arrêtez, vous faites demi-tour. Ah, et vous vous arrêtez, vous discutez entre vous. Et vous ignorez le chien. Les gens hors la maîtresse peuvent commencer à caresser ce chien. Caressez, franchement, n'hésitez pas. Si vous hésitez, il se met en doute. Voilà, vous avez vu l'hésitation du chien? Là, on n'a plus de lien avec la maîtresse, hein. La laisse est plus là, donc je vais demander de rester neutre. C'est un petit peu comme si c'était moi qui tenais la laisse, là. Il n'y a plus de lien, ce petit coup de poignet que vous avez vu mettre tout à l'heure, c'est qu'il y a quelqu'un qui approche. Là, il n'y a rien. Et là, vous ignorez, effectivement, hein. Vous cherchez une indication de votre part. Si vous ne lui en donnez pas, ben, c'est tout va bien, hein.
et le chien il va prendre. C'est bon, poubelle.